Om Shanti. Om Shanti. So we all had beautiful time Alors, nous avons eu beaucoup de plaisir à célébrer ce jour, ces vacances, ce jour sacré, et nous célébrons les fêtes comme des... Nous célébrons les fêtes. Maintenant, nous parlons du pouvoir du yoga, yoga. Whatever power I have accumulated through yoga. D'un côté, il y a tous les pouvoirs que j'ai accumulés dans le yoga, de les utiliser. Et de l'autre côté, lorsqu'il y a une situation, juste s'asseoir en yoga ou faire du yoga si vous êtes occupé dans l'action. Le yoga de votre intellect peut être avec Baba. Je sens qu'à ce moment-ci, lorsque nous parlons de yoga et de dharana, nous savons que si nous avons du bon yoga, que nous avons des expériences de plusieurs vertus, mais lorsque nous avons une bonne dharana, nous pouvons aussi avoir un bon yoga. C'est les deux. Plus je comprends la connaissance, plus j'ai du bon yoga. Et si j'ai du bon yoga, je vais comprendre la connaissance encore mieux. Alors, il y a une connexion entre le yam et le yoga. Il y a aussi encore une connexion très profonde avec le yoga et la dharana. Nous trouvons qu'intérieurement, nous sommes très paisibles. Nous sommes très positifs. Nous avons beaucoup confiance. Alors, plusieurs qualités de Baba aussi que nous commençons à expérimenter dans notre dharana. Avec la dharana, cela veut dire aussi, pour quelle que soit la raison que cela arrive, que l'esprit n'est pas tranquille ou qu'il n'est pas paisible. Alors, je me souviens de Baba. Alors maintenant, le but est vraiment d'avoir du souvenir, le souvenir de Baba, tout en faisant des actions aussi. Parce que nous ne pouvons pas vraiment les séparer cela. Toujours se souvenir que je suis un Rajyogi, donc ça veut dire un souverain de soi. Et ensuite, nous sommes des Karma Yogis, des yogis dans l'action. Alors, comme Brahma Baba, il avait, son horaire était empli toute la journée. Mais il était dans le souvenir de Baba. Parce que le souvenir, comme nous le savons, j'ai parlé comment ça pouvait être comme du feu ou charger la batterie, mais aussi donner sa cache, le courant. Le saccage de la lumière, le saccage des pouvoirs. Et j'ai partagé cela plus tôt, que Baba ressentait que l'âme était en service. Et peut-être qu'il faisait face à quelques difficultés. Alors, Baba s'assoyait et à travers ses pensées, donnait sa cache, donnait du courant. Et ses âmes commençaient aussi à ressentir
ce qui était la bonne chose à faire. Donc, nos pensées ont du pouvoir et le sakash ou le courant peut être donné. La protection aussi peut être donnée à travers nos pensées pures, nos pensées de souvenirs. Nous créons une belle protection de lumière envers les âmes où nous pouvons leur donner aussi cette lumière. Dharmababa l'a fait, mais j'ai aussi beaucoup d'expérience lorsque je suis arrivée à New York. C'est une ville complètement différente comparativement à Delhi, où il y a tant. Donc, il y avait les enfants de Baba, il y avait beaucoup de facilités. Hier, c'était le début du service. Alors, aller en train, revenir, nous étions quelques sœurs. Donc, l'habilité de donner sa cache était très positif. Donc, une fois, il est arrivé qu'une sœur a dû retourner et elle est arrivée vers 9 heures et normalement, j'attendais et elle n'est pas arrivée. Donc, la première fois, j'ai pensé, oui, elle va être OK. Elle est correcte, elle va arriver n'importe quelle heure et j'ai commencé à donner ses pensées positives, ses sentiments purs et à travers le souvenir de Baba, créer une sorte de lumière ou de vibration pour que l'âme puisse être protégée. Et après quelques minutes, elle a téléphoné parce que le train ne fonctionnait pas, n'est pas arrivé à temps. Donc, ensuite, elle est arrivée. Donc, ne pas commencer par penser, est-ce qu'elle est correcte? Est-ce que cet enfant va être OK? Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, dans un sens, lorsque je fais ça, je perds mon pouvoir. Lorsqu'il y a un besoin d'aide quelque part, il faut être très positif, avoir des pensées élevées. Et alors, ensuite, dans le souvenir de Baba, envoyer des rayons de lumière pour la protection pour cette âme. Et cette âme va ressentir cette protection. Elle va se sentir très protégée. Là, c'est comme utiliser le pouvoir du yoga pour la sécurité et aussi pour moi, pour ne pas m'asseoir et me faire du souci. Parce que même si je m'assois, je commence à penser qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui est arrivé. C'est une habitude commune de l'esprit de commencer par ses pensées de doute et de pensées de soucis. Donc, non, je dois avoir des pensées très, très positives. Parce que même penser à propos de quelqu'un, régler un petit peu de bataille. Donc, si je pense qu'est-ce qui va arriver, rien. Mais je dois juste garder de bons souhaits. Ce qu'on appelle le Mansa Seva, le service par l'esprit, parce que cela va aider l'âme. Alors, l'habitude,
de dire qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui se passe. Ce sont toutes des scènes du drama et chaque âme a un rôle différent à jouer. Une fortune différente. Mais chacun est l'enfant aimé de Baba. Et ma coopération pour cette âme, c'est que je continue de d'envoyer des vibrations. Des vibrations de paix, des vibrations de souvenirs de Baba, parce que l'âme fait des efforts, mais elle n'est pas capable de gérer où cela arrive. Donc, au lieu de perdre mes pensées, d'avoir des pensées perdues, des pensées négatives, Baba dit juste ressentir de l'amour et donner de la lumière et du pouvoir à chacun. Ceci est du Mansa-seva. Nous pouvons faire du Mansa-seva de tellement différentes façons ou d'utiliser le pouvoir du yoga. Utiliser le pouvoir du yoga, c'est du Mansa-seva. Mansa-seva, c'est utiliser le pouvoir du yoga. Alors, de cette façon, le bénéfice le plus important, c'est que votre niveau reste stable. Si imaginez un phare dans l'océan qui perd sa stabilité. Le phare doit rester stable, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience, mais j'ai eu une expérience dans un ou deux pays. De vous tenir près d'un phare, il y a tellement des sons de vagues très, très fortes. Donc, ce n'est pas seulement être stable, mais aussi que la lumière continue constamment de tourner autour. Lorsque Baba nous dit toujours de servir comme un phare, un générateur aussi, il appelle cela un générateur aussi et un phare. Alors, la stabilité. Non, absolument aucune, même quelques pensées négatives. Si vous ne vous connectez pas à Baba, vous ne pouvez pas donner sa cache. Alors, cette attention est très, très importante pour le Mansa-seva. Maintenant, tout ceci est requis dans un temps particulier. Peut-être que je ne serai pas capable de m'asseoir en yoga. Cela peut être fait entre les actions 5 minutes ou maintenant, c'est le temps vraiment. Maintenant, c'est le temps vraiment de mettre beaucoup d'attention afin d'être dans le souvenir de Baba. Parce que lorsque nous sommes dans le souvenir de Baba, alors tout ce qui, quel que soit le besoin de l'âme, je le reçois. Et aussi ce que j'ai besoin de faire, je vais être capable de le faire. Donc les deux sont importants, n'est-ce pas? Baba disait toujours servir le soi et ensuite le service, le soi et les autres. Quelquefois, on veut servir les autres tellement que je ne me sers pas moi-même. Alors, gardez à l'esprit que j'ai aussi à demeurer très stable et faire ce que j'ai à faire. Mais quelquefois, je le fais pour les autres parce que quelqu'un d'autre n'est pas très heureuse. Je ne suis pas heureuse, mais ce n'est pas de cette façon. Je dois être heureuse pour être capable de servir. J'essaie de garder tout le monde heureux et moi, je perds mon propre bonheur.
Et vous faites les comment pouvez-vous faire que les autres soient heureux si vous n'êtes pas heureux vous-même? Alors, la façon du souvenir est d'un bon niveau, c'est que je suis servi et ensuite je sers de ce niveau. C'est très subtil, la sympathie, l'amour, le respect, tout cela est important. Mais mon niveau est aussi également important. Spécialement lorsqu'il y a des difficultés, qu'il y a des énergies différentes, je dois être encore plus attentive. Parce que je dois être en sécurité, être puissante et je suis un instrument, donc je dois servir. Alors, c'est pour cela que, tout en accomplissant des actions, comment est-ce que je peux garder cette conscience? Si, par exemple, vous êtes en train de cuisiner, vous dites « je cuisine pour papa ». Je dois offrir bhog à papa. Et bien sûr, c'est pour la famille, c'est pour le yaya. Mais cette conscience profonde que quoi que je fasse, c'est une action pour le yaya, pour soutenir le yaya. C'est pour ça que je dis toujours à Madhuban, nous disions au daddy, qui était très... Il y avait Daddy Prakashpani et Bhuli Daddy. Donc, Daddy Prakashpani, elle seule ne peut pas vous garder heureux. Mais Bhuli Daddy qui organisait le bhog, elle a été, on s'est souvenu d'elle également. Donc, si vous avez faim, vous ne pouvez pas vous asseoir et méditer. Alors, Bhuli Daddy, chaque matin à 7 heures, avant d'aller au lit, Daddy Prakashmani va appeler Bhuli Daddy et discuter avec elle combien d'âmes, dans quel niveau ils sont, qu'est-ce qu'elles aiment manger. Ensuite, elle préparait Brahmapochan, maintenant Shantivan, tout Shantivan, Yansova Hospital. Tout le monde allait pour Bhog, à peu près 5000 personnes chaque jour. Gros yagya, grand yagya, n'est-ce pas? Donc, le soir, il planifiait pour le lendemain matin, pour le déjeuner et le dîner. Elle s'assoyait tous ensemble. Elle était responsable. C'est très bon aussi de s'asseoir ensemble et de planifier qu'est-ce que nous allons manger pour le lunch pour le déjeuner, mais ce que je veux dire, c'est le karma yoga, c'est de deux façons. Daddy Prakashpani et Daddy Bhuli, Bhuli Daddy. Les deux étaient égales dans le soutien du yaga. Je sais que maintenant, nous avons des départements. Oui, beaucoup de départements, mais avant, chacun de nous, on disait all round, le service all round. Toutes sortes de karma, yoga. Donc, comment avoir du souvenir? La première chose que je me souviens, c'est que je le fais pour Baba et pour le yaga, pour les deux. Donc, il y a cette conscience qui peut aider beaucoup lorsque votre cœur sera grand. Vous ne vous sentirez jamais que c'est trop,
Non, vous allez dire, c'est ma fortune. Parce que le yoga a besoin de Mansa Seva, mais aussi le service à travers le corps. Donc, le service à travers l'esprit et le service à travers le corps. Je voulais dire, régler le karma bog. Non, ça veut dire de faire des actions à travers, faire du service à travers le corps. Pour régler aussi les comptes karmiques. Karma bog veut dire régler. Donc, j'ai vu des âmes aussi qui sont capables de faire du karma yoga autant qu'elles peuvent. Leur santé, leur âge, elles prennent soin de tout, les fruits, le pouvoir et aussi la récompense des bonnes actions ou les actions pour le yagya. Et alors, le yagya a besoin de différentes ressources, de talents, de ressources, de biens, de peu de tout, parce que le yagya soutient et soutenu à travers le Mansa Seva, mais aussi à travers le corps et aussi à travers toutes les ressources. Donc, souvenez-vous du mot Baba et Yagya. Si ce n'est pas pour Dieu, on va se sentir ordinaire. Je vais dire, j'ai tant à faire. Je dis toujours que si vous êtes dans une famille lokique, donc, nous faisons tout pour la famille, n'est-ce pas? Mais c'est une famille ici illimitée, c'est aussi pour le yaya. Alors, ma bhavna va aussi m'aider à avoir du souvenir de Baba. Aussi parce que nous avons 3 minutes à chaque heure. Cela aussi, c'est un bon temps pour vous souvenir, pour vous rappeler. Donc, le pouvoir du yoga s'accumule tout en faisant du karma yoga. Le yoga veut dire vraiment faire du yoga pendant qu'on fait à travers les actions. Et karma yoga veut dire se souvenir de Baba tout en faisant des actions. Et Brahma Baba était un bel exemple. Vous avez vu des photos, quelle que soit l'action ou le projet. Premièrement, il le débutait lui-même. Et ensuite, tous les enfants venaient et ils faisaient tout cela tous ensemble. Parce que enseigner, c'est une partie du service. Cela, c'est pour le monde. Mais nous devons servir, mais nous devons servir de différentes façons. Alors, j'ai pensé beaucoup à propos que la plupart de notre temps va en faisant quelque chose. Donc, se passe dans l'action, ce qui est nécessaire, n'est-ce pas? Vous devez faire tout. Mais comment est-ce que je me souviens de Baba? Donc, non seulement mon niveau, mais aussi le pouvoir. Je me souviens une fois, je voulais cuisiner. Donc, j'avais aussi à prendre des téléphones et les âmes avaient besoin. Et j'allais dans la chambre à Baba et ensuite, je cuisinais. J'étais chanceuse parce qu'il y avait aussi la cuisine tout près de la,
la chambre Baba. Donc, j'avais juste à marcher. Donc, j'avais juste à me déplacer d'une à l'autre, mais ici, on doit penser à se déplacer plus loin. Donc, lorsque vous vous souvenez vraiment de Baba, lorsque vous faites des actions, vous êtes très heureux, vous en profitez bien, vous vous sentez tellement bien et vous vous sentez aussi béni. Alors maintenant, la nouvelle année arrive. Donc, pensez de plus en plus à utiliser le pouvoir du yoga tout en faisant des actions et aussi accumuler du pouvoir. Alors, lorsque quelqu'un va manger ce que vous avez cuisiné, il va automatiquement se connecter à Baba. C'est un grand service, n'est-ce pas? Je me souviens garder que je faisais le ménage. Comme de tous les endroits de Baba, mais si vous le gardez bien propre, en étant en conscience d'âme, en se souvenant de Baba, c'est aussi du service. La pensée à propos du karma yoga, Baba et le yoga. Alors, que nous puissions accumuler du pouvoir du yoga, mais aussi utiliser le pouvoir du yoga. Les deux. Donc, janvier s'en vient, je pense de plus en plus à Brahma Baba. Une pensée qui est venue que Brahma Baba était un karma yogi. Om Shanti.